On passe au coup de cœur de Jeannanne. Ouais. Jeannanne, c'est quoi votre coup de cœur aujourd'hui? Vous allez faire de la batterie? On tape dans les mains. C'était mon rêve. Bon. Ouais, ouais, hey. Est-ce qu'on n'a pas tous des batteurs? Bon, merci beaucoup. Mais quel est le rapport? Avec ça, on va faire du sport. Alors, c'est bon, un petit peu la chronique d'André Manoukian, parce qu'effectivement, c'est des baguettes de batteur. Oui. Mais c'est aussi mon coup de cœur, surtout. C'est le Pound Fitness. Le Pound Fitness. Eh ouais, on va faire des exercices comme ça avec des baguettes. Vous allez voir, franchement, vous allez voir, Daphné, vous allez adorer, il y a un côté rock'n'roll. On va se muscler, on va se faire du bien avec Florian Tartinville. Vous vous emballez. Il est coach et formateur de Pound Fitness. Venez. Alex, viens. Aurore. Viens, Aurore. Ah, ça va, Florian? Jeanne, ça va? Oui, bonjour, bienvenue. Tous à vos baguettes. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que le Pound Fitness rapidement. Eh ben, le Pound, c'est le premier cours de fitness dans lequel on va utiliser des baguettes qui ressemblent à des baguettes de batterie, mais qui ne le sont pas. On n'est pas obligé de savoir jouer de la batterie. Non. C'est juste pour faire les crâneurs, en fait. C'est, faire du bruit. Mine de rien, ça libère un peu la rockstar qui est en nous. Ouais. Et on brûle entre 400 et 900 calories par session. Ah, ça, c'est bien. Ça nous intéresse. Je savais que ça allait plaire aux filles. Voilà. C'est bizarre. Alors, c'est vrai qu'on vous présente plein de nouveaux cours, de nouvelles façons, en tout cas, de faire du sport. Celui-ci est drôle. Alors, montrez-nous, par exemple, un premier exercice avec ces deux baguettes. Eh bien, on peut faire tout simplement. Tranquille, Florian. Puisque vous êtes quand même en tenue de sport. Oui, on va mettre un peu de musique, Florian, et on y va pour le premier exercice pour donner un petit peu un avant-goût de ce cours qui est complètement fou. Allez, go. Attention. J'ai déjà fait. Ouais, c'est génial. J'ai l'impression d'être bien dessus. Et pour faire plaisir à André, on peut rester en bas. Oui. D'accord. C'est super. Bon, vous voyez. D'accord. Oui, oui. Mais donc, vous demandez quand même à, j'allais dire, à vos patients. Vous demandez quand même aux participants à avoir un sens du rythme. On le développe. Oui et non, on le développe parce qu'en fait, comme ça se fait toujours en groupe. Et que finalement, on est à la fois sur du visuel et de l'auditif. Non, mais c'est génial. En fait, les gens se calent parce que dès qu'il y en a un qui va être à côté de ce que font les autres. Forcément. D'accord. Les gens se calent facilement. Non, mais en plus, c'est bien pour la motricité aussi, c'est-à-dire faire deux choses à la fois, tout ça, j'adore. Ah, c'est bon pour les neurones. Et on travaille le cœur, on travaille tous les muscles, on travaille la mobilité, la souplesse. Et franchement, on s'amuse parce qu'il y a un côté un peu chorégraphique. Mais ça dure combien de temps? Parce que là, on a fait une minute, on est épuisé. Ça dure combien de temps? Ça dure 45 minutes. Non, mais Aurore qui danse tout le temps, ça dure combien de temps? En vrai, ça dure 45 minutes. Ah, quand même. Après, on ne fait pas que ça, on travaille l'ensemble du corps. Il y a des mouvements qu'on fait en position assise, il y a des mouvements qu'on fait en position couché sur le dos. Encore un petit exercice, puis après vous nous ferez une démo, quand même. Un petit exercice pour Donc là, attention avec les escarpins. Oui, pour le plaisir. Avec les escarpins. Alors un dernier. On doit bouger. À la maison, on peut reproduire les exercices qu'on voit là. Oui, il existe des DVD où les gens peuvent reproduire à la maison. On va tout mettre sur le site, comme d'habitude. Alors go. Un petit dernier exercice. On reprend le premier mouvement. J'adore. Et après, on va aller sur le côté. Hop. On revient au centre. Hop. L'autre côté. Et ce qui serait drôle, c'est qu'on aille plus vite. Ouais. Ah mince, on va s'arrêter. Ça crée du succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a toute la team qui va venir nous faire un petit... Voilà, la team qui va nous faire une petite démonstration pour que vous ayez encore un aperçu de ce qui se passe dans ces cours. C'est génial, je vous mets tout sur France TV. Voilà, Daphné. Bon, alors, une démonstration, s'il vous plaît, parce que quand même, c'est physique, votre histoire. Je ne sais pas s'ils font du sport. Je passerai un petit coup de fil à Sophie d'avant. Je ne suis pas sûre que les brocanteurs soient à fond sur le sport. En revanche, il va se passer des choses dans l'affaire conclue dans un instant. Je vous laisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce beau message. Pour toutes vos questions, je vous remets l'adresse. N'hésitez pas. Passez une merveilleuse journée. On vous embrasse très fort. Allez, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Vous pouvez regarder à quoi ça ressemble déjà.